His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "Q, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui on est sur l'avenue la plus chère de France, l'avenue peut-être je crois une des plus chères du monde. Et ce qui va être hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait je vais t'expliquer exactement ce que tu payes quand tu t'achètes un appartement sur cette avenue, ce que tu payes eh bien, quand tu viens ici pour t'acheter quelque chose sur les Champs-Élysées. Alors comme tu l'as remarqué aujourd'hui, on est à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées, l'avenue la plus chère du monde, je te l'ai déjà dit. Alors je sais, et je vais commencer par ça, j'avais dit que je ferais plus de vidéos extérieures, mais c'était plus fort que moi, j'ai adoré filmer à l'extérieur, alors c'est reparti. Nous voilà donc sur l'avenue la plus chère du monde, et l'idée, c'est de te partager une réflexion que j'ai eue récemment, qui était très simple en fait. J'avais une discussion avec un investisseur, et ce dernier me disait, acheter à Paris, ce n'est pas rentable du tout, ce n'est pas intéressant financièrement. Et je vais te donner un conseil à ce sujet, tu vas voir, mais surtout, je voudrais t'amener à avoir une autre réflexion sur le sujet. Lorsque tu achètes quelque chose de pas rentable, lorsque tu vas t'engager sur un bien sur les Champs-Élysées ou ailleurs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas chercher la rentabilité, tu vas chercher la sécurité tout simplement de ton placement d'argent, la sécurité de ton capital. Et ta réflexion, elle est très simple. Elle doit être faite non pas selon l'argent que peut te rapporter l'appartement, mais la vitesse à laquelle tu peux récupérer le placement. Et c'est une autre forme de réflexion qu'il faut absolument avoir. Et on ne va pas se le cacher, Paris, c'est vraiment l'endroit qui correspond à ce que je suis en train de te décrire. Alors, on va en venir finalement au conseil de cette vidéo qui est très simple. Ne te ferme pas à tout type d'investissement, reste ouvert et essaye de comprendre qu'en fait, lorsque tu achètes à Paris, tu n'achètes pas en fait simplement une rentabilité, mais une assurance de placement. Et c'est bien d'avoir un patrimoine diversifié, le but étant d'avoir ton argent éparpillé un peu partout, de sorte que ce dernier, eh bien, à tout moment, puisse soit te rapporter effectivement de l'argent, soit être rapidement disponible. C'est fini. Tu t'en vas déjà ? Investir, c'est plus fort que toi.